Bonjour les filles, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va parler d'un petit appareil, de cette petite chose. Alors, ça n'est pas un jouet pour chat, ça n'est pas un sextoy, ça n'est pas la pire chose que vous puissiez vous imaginer. Ce petit appareil, en fait, en silicone médical, va enlever la cellulite. Voilà, c'est tout simple, c'est tout con, ça s'appelle le Cellublou. Et donc, je le teste depuis que je suis partie en vacances, c'est-à-dire le mi-juillet. Voilà, depuis mi-juillet. Donc, je vais vous présenter comment est-ce que ça fonctionne, à quoi ça sert, comment est-ce qu'on l'utilise. Je vais vous montrer sur mon ventre, parce que j'ai la flemme de vous montrer mes cuisses. J'ai pas envie. Donc, je vais le faire sur mon bidon pour vous montrer comment est-ce que ça fonctionne. Et donc, ensuite, je vous parlerai des résultats. Donc, déjà, il faut savoir que ce petit appareil fonctionne contre tous les types de cellulite. Alors, je les ai notés là. Adipeuse, aqueuse, mixte ou fibreuse. Donc, quel que soit le type de cellulite que vous avez, la quantité de cellulite que vous avez, vous pouvez l'utiliser. Donc, il s'utilise sur toutes les zones du corps. Ça peut être le ventre, les fesses, les hanches, les cuisses, sous les bras, partout. Il n'y a pas de zone où on ne peut pas l'utiliser. C'est hypoallergénique, c'est fait en silicone médical, donc vous ne pouvez pas avoir d'allergie. Ça se nettoie à l'eau avec du savon, donc rien de bien compliqué. Et donc, le but de cette petite machine, c'est de reproduire le palpé roulé qu'on vous fait dans les instituts de beauté. C'est un petit peu plus long, puisque évidemment la machine est plus petite, etc. Et on doit se le faire soi-même, donc c'est toujours plus agréable quand quelqu'un d'autre nous le fait, etc. Mais bon, vu le prix du palpé roulé en institut, bah, moi personnellement je ne peux pas, donc je préfère investir dans un petit truc comme ça, qui coûte moins cher et qu'on fait tout seul. Et donc voilà, ça pète en fait toutes les cellules graisseuses, ça aide à la circulation du sang également, ça fait comme des drainages lymphatiques. Pour celles qui vont chez le kiné, elles savent de quoi je parle. On en fait tous les lundis en kiné. Et donc voilà, ce petit appareil en silicone médical va reproduire exactement la même chose. Comment utiliser ce produit? Donc, il faut impérativement, pour l'utiliser, avoir une huile pour le corps. Pas une huile sèche, une huile classique. Donc pour ma part, j'utilise la Nuxe Body huile minceur cellulite infiltrée. Autant utiliser une huile adaptée qui va aider à perdre sa cellulite plutôt qu'une huile lambda. Donc voilà celle que j'utilise. Et c'est la seule chose en fait dont vous avez besoin hormis vos petites mimines. Le principe est super simple. Hop, je vais vous montrer ça sur mon ventre. On met de l'huile sur la partie qu'on souhaite traiter. Donc en l'occurrence, je vais le faire là. Et donc on en met bien partout. Ce produit n'est absolument pas à utiliser sur une peau qui n'a pas été huilée au préalable. Le but, ça va être d'effectuer des massages. Mais pour réaliser des massages, il va falloir effectuer une pression avec les doigts sur la machine, sur la ventouse, parce que c'est une ventouse. Donc on fait une petite pression comme ceci. Et donc l'appareil vient gober la peau. Vous voyez, ça tient tout seul. Mais bon, c'est pas bon de le laisser comme ça longtemps. C'est vraiment pour vous le montrer. Donc on appuie, on absorbe de la peau. Et pendant 3 minutes, on va faire des mouvements. On va presser la peau et on va faire des mouvements du bas vers le haut. Donc ça sert à rien de presser trop fort, sinon vous allez vous faire des suçons. Donc si vous avez trop pressé, il suffit juste de réappuyer un petit peu et de laisser s'échapper un petit peu d'air. Donc on commence par faire 3 minutes du bas vers le haut. Vous pouvez le faire plus vite, hein. Moi pour la vidéo je le fais plus lentement. Une fois que vous avez fait 3 minutes comme ceci, vous faites 3 minutes de la gauche vers la droite. Comme ceci. Une fois que vous avez terminé, vous faites une minute en faisant des mouvements circulaires comme ceci. Alors, c'est à faire 5 minutes sur chaque zone à traiter. Donc en gros, 5 minutes cuisse droite, 5 minutes cuisse gauche, 5 minutes fesse droite, 5 minutes fesse gauche. Si vous avez énormément de cellulite, vraiment beaucoup, vous pouvez le faire un petit peu plus longtemps. Vous pouvez aller jusqu'à 7-8 minutes, etc. Au départ, plus on a de la cellulite et plus les premières applications sont douloureuses parce que ça pète vraiment les cellules graisseuses et franchement, ça fait mal. Il faut persévérer, voilà, parce qu'en fait, plus on le fait et moins on a mal. Donc moi, une fois par jour, voilà, le premier coup, c'était tendu, franchement, j'avais vraiment mal. Mais ça fait ses effets, donc je vous parlerai vraiment des résultats concrets après. Et ensuite, j'étais extrêmement rouge. Voilà, donc pendant au moins une bonne heure, j'étais rouge, écarlate. Plus je le faisais, moins j'étais rouge. Donc qu'on soit rouge, c'est normal, parce que ça stimule les vaisseaux sanguins, donc c'est logique. Par contre, si vous êtes anormalement rouge, faites-le une fois tous les deux jours. C'est largement mieux. Alors, concernant
les effets. Pendant 15 jours, je l'ai fait, je n'ai eu absolument aucun résultat. Et à partir du 15e jour, j'ai commencé à avoir un petit peu moins de cellulite. Un tout petit peu moins. C'était pas grandiose, mais c'était quand même ça, c'était un petit peu moins. J'avais la peau qui était beaucoup plus ferme. Plus ferme au départ et pas beaucoup moins de cellulite au bout de 15 jours. Au bout de 4 semaines, j'avais la peau vraiment plus ferme et j'avais vraiment moins de cellulite. Par contre, c'est chiant à faire. 10 minutes, parce que moi je l'ai fait sur les cuisses, donc 5 minutes par cuisse. Ça me semblait être une éternité. Mais bon, les résultats sont là. Je vous conseille de faire comme je l'ai fait, voilà, d'avoir une huile qui est quand même adaptée. Les résultats sont là. J'en étais vraiment très contente. Ça marche différemment. Franchement, c'est plus efficace que la machine à cellulite que j'ai testée pendant plusieurs mois et sur laquelle j'ai fait une vidéo revue. Franchement, ça marche mieux. Parce qu'on peut vraiment contrôler le niveau de peau qu'on pince, en fait, et qu'on sélectionne et qu'on traite. Donc, c'est beaucoup plus précis. Voilà. Par contre, c'est beaucoup plus douloureux. Donc, si vous êtes ultra chouchotte, etc., ne le faites pas. Par contre, si vous avez un peu de courage et que vous souhaitez faire quelque chose sur du long terme, je vous le conseillerais vraiment. Voilà, il faut être courageuse et il faut vraiment le faire tous les jours ou tous les deux jours dans le cas où vous êtes trop réactive. Mais sinon, c'est un bon investissement qui coûte pas cher. Voilà, d'ailleurs, il y a un code promo que je vais vous communiquer en fin de vidéo. Mais franchement, c'est un bon produit, j'en suis ravie. Là, j'ai arrêté parce que j'en ai marre et que je l'ai fait pendant 4 semaines et que c'était assez et que j'ai envie de faire une pause. Mais je pense que je vais reprendre, puisque étant donné que je mange trop souvent au McDo, il va bien falloir que je m'y recolle. Mais bon, en tout cas, ça paye pas de mine de visu comme ça. Mais c'est super efficace, cette petite ventouse. Je précise aussi que la première fois où je l'ai utilisée, j'ai eu vraiment très très mal. Et j'ai eu mal pendant plusieurs jours. Voilà, ma peau, elle était très fragilisée, elle était très sensible. Mais je pense que j'ai voulu trop faire de pression et attraper trop de peau en même temps. Donc comme j'ai dit tout à l'heure, ça sert à rien de vouloir se faire mal et de se torturer. Ça marche aussi bien si on exerce une pression moins forte. Voilà, donc si vous avez mal aux cuisses pendant 2-3 jours après la première utilisation, c'est que vous avez pressé la ventouse trop forte. C'est vendu dans un petit pochon comme ça, voilà, dans lequel on peut le ranger. Ça se fout n'importe où, dans le sac à main, dans le sac de voyage, ça prend pas de place, donc ça c'est cool. Et c'est quand même carrément économique, quoi. C'est Loublou, ils ont sorti ou ils vont sortir, moi je l'ai pas téléchargé. Une application pour les smartphones, pour suivre l'évolution, etc. Je vais la télécharger lors de ma prochaine utilisation. Pour l'instant, j'ai pas d'intérêt puisque je vais pas le refaire là dans les semaines qui viennent. Mais voilà, c'est quand même quelque chose de très simple à utiliser, pas d'allergie. On a vraiment des résultats au bout de 15 jours, 3 semaines, donc ça c'est top. Le couac un petit peu douloureux et ça laisse des rougeurs, mais de moins en moins douloureux au fur et à mesure des utilisations. Et de moins en moins de rougeurs au fur et à mesure des utilisations aussi. Donc ce petit truc est quand même super sympatoche et fonctionne pour les courageuses. Cette petite ventouse, donc le Cellublou, il coûte 18,90€. Donc voilà, ça va pas vous ruiner. Même si à la limite vous pensez que vous avez de la motivation et qu'en fin de compte vous en avez moins que prévu, ça coûte moins de 20 balles. Donc voilà, ça vaut le coup d'essayer. Pour moi, ça a marché. Je l'ai pas testé sur d'autres gens. Donc je pourrais pas vous dire... D'ailleurs, faudrait peut-être que je le prête à une copine pour qu'elle essaye pour voir la différence avec moi. Mais bon, en tout cas, pour moi, ça a été successful. Donc voilà, je suis contente. Ça a rempli son jeu. Voilà, je pense que j'ai tout dit. Si jamais vous avez des questions, vous me les posez. N'hésitez pas à liker, à commenter, à partager. Et surtout, si vous essayez, donnez-moi vos résultats à vous. Voilà, ça m'intéresserait aussi de savoir comment vous l'utilisez, si vous tenez le coup, si vous tenez pas le coup. Peut-être qu'on pourrait se motiver entre nous pour le faire régulièrement et pour comparer nos résultats. Je vous fais plein de gros bisous. Le site en ligne, c'est Cellublou. Je vous dis pas de bêtises. Cellublou.com. Voilà, le nom sera noté dans la barre d'infos. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos. Bye bye!